son système est resté, et pour faire un habillage démocratique, on a fait des élections, et c'est un de ses serviteurs pendant 30 ans qui est arrivé au pouvoir. Et ce serviteur est qui? Roch-Marc Christian Kadoré. Est-ce que vous suivez le film? Oui. Vous comprenez le film? Oui. Blaise Compaoré est parti. Est-ce que son régime est parti? Non. Son régime n'était pas parti. Est-ce que Roch, qui arrivait, était capable de déboulonner le régime? Est-ce qu'il était capable de déboulonner le régime? Bon, s'il n'était pas capable de déboulonner le régime, on était bien conscient qu'à un moment donné, cette histoire aussi, rocambolesque, aurait une fin. Et c'est la fin de cette histoire qui est intervenue le 24 janvier 2022. Mais est-ce que cela signifie que le régime de Compaoré est tombé? Est-ce que le 24 janvier, ce qui s'est passé, a mis fin au régime de Blaise Compaoré? Bon, quand je dis non, ça veut dire le combat continue. Le combat continue. Et je vais vous expliquer tout au long de...